Bonjour et bienvenue pour une nouvelle idée Do It Yourself. Aujourd'hui, nous allons apprendre à créer des petits savons peeling. Donc pour cela, nous aurons besoin de différents ingrédients. Le plus important étant bien entendu le savon ou la matière à savon que vous trouvez facilement dans des drogueries ou des magasins de beauté. Également de l'huile de coco, du sucre, donc du sucre cristallisé, et là j'ai un colorant pour les savons, j'ai choisi la couleur rouge dans ce cas. Et puis des petits moules hein, avec vraiment la forme que vous aimez. Donc voilà pour tous les ingrédients. Donc je commence, j'ai mis 100 g de savon dans un petit bol. J'ai préparé 150 g de sucre cristallisé et 50 g d'huile de coco que j'ai fait préalablement un peu fondre. Donc je vais commencer à travailler avec le savon et je vais également le faire fondre au micro-ondes. Donc je vais commencer par le laisser 30 secondes, je vais contrôler la texture et s'il faut le laisser plus longtemps, je le remettrai dans le micro-ondes. Donc voilà, mon savon est bien liquide. Je vais y ajouter l'huile de coco. Je mélange bien. Voilà. Il faut bien que les deux matières soient mélangées. Et puis ensuite, je vais venir ajouter mon colorant. Donc là, j'avais choisi du rouge. Ça va me permettre en fait de créer différentes tonalités. C'est-à-dire que là, je vais en mettre que quelques gouttes et je vais obtenir des savons qui seront plutôt roses. Si je mets plus de gouttes, eh bien mes savons seront bien rouges. Là, aujourd'hui, j'ai envie de faire du rose. Là, je mélange bien. Et on voit déjà le rose qui commence à bien ressortir. Et puis là, je remarque quand même que ma préparation redevient un peu solide. Je vais juste bien finir de mélanger et je vais vous montrer. Voilà, donc je vais peut-être la remettre au micro-ondes. Donc là, je l'ai remise au micro-ondes, elle est de nouveau bien liquide et je vais ajouter le sucre. Et je vais bien mélanger. Donc à partir de ce moment-là, je déconseille fortement de repasser la mixture au micro-ondes parce que tout simplement, le sucre va fondre et on n'aura plus notre effet peeling. Donc il faut travailler très rapidement à partir de ce moment-là. Donc voilà, mais je mélange quand même bien le sucre pour qu'il n'y ait pas d'amas de sucre sur mes petits savons. Et puis je passe assez rapidement au moulage. Donc il n'y a pas besoin de nettoyer le surplus maintenant. Le plus important, c'est vraiment de placer donc notre mixture dans les moules. Et puis on viendra nettoyer plus tard. Vous voyez là, c'est déjà en train de devenir très solide. Il faut que je me dépêche. Voilà, donc je vais vous montrer maintenant le travail final. Donc j'ai rempli tous mes petits cœurs et j'avais encore de la mixture en trop, donc j'ai utilisé des petits moules en forme de fleurs. Et j'ai nettoyé le tout par après. Donc je vais passer au démoulage parce que mes savons sont bien secs. Donc voilà mes petits cœurs. Ça fait vraiment un très joli cadeau. Et puis, je vais aussi démouler mes petites fleurs, qui elles aussi ont bien séché.
Voilà, donc j'ai deux formes différentes et je vais pouvoir faire des jolis petits cadeaux à offrir à mes amis. Voilà, encore trois qui restent. Et après, j'aurai tous mes petits savons. Donc là, c'est des moules en silicone que j'ai utilisés. Donc j'aime bien, c'est facile à démouler. Ça donne aussi des jolies formes. On a beaucoup de formes à disposition. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez vous abonner à ma chaîne et vous serez tenu informé des dernières vidéos qui seront publiées. Vous pouvez également aimer ma vidéo ou vous pouvez la partager avec vos amis. Et puis n'hésitez pas à laisser un commentaire si vous avez des suggestions. Merci !